Eh bien bonjour et bienvenue les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez tous, j'en suis sûr, enfin moi je l'attends énormément, et ben c'est la vidéo de Subnautica, surtout depuis que vous m'avez expliqué comment faire pour avoir notre super cutter laser. Donc on va... ça va être l'objectif du jour, on va se crafter ce cutter laser, j'espère avoir ce qu'il faut pour le faire, et puis on va essayer d'aller explorer du coup le morceau de l'Aurora. Donc voilà les amis, je charge la partie et c'est parti. Chargeons la partie, c'est parti. Ah là je dis n'importe quoi. Ah oui c'est vrai qu'on était ici, on était en train de fouiller. Ah là 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 là, j'avais oublié aussi tout ça. Je cherchais un fragment du coup, mais il n'y a plus besoin. Oula voilà. Du coup on va rentrer. Alors on va peut-être, je vais vous épargner la balade. On va se faire une petite ellipse je pense. Hein. Allez je rentre, je vous dis moi à tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, nous sommes revenus à la base. Et donc on va essayer de voir ce qu'il nous faut pour crafter. Oh pardon, pour crafter notre cutter laser. Alors déjà où est-ce qu'il est? Oula oula, attendez, oula. Alors le cutter laser. Non c'est pas là-dedans, ça va être là-dedans. Cutter laser. Cutter laser permet d'ouvrir certaines choses. Et ben voilà, alors une pile, j'en ai, des diamants, j'en ai, du titane, j'en ai. Et ben on a tout ce qu'il faut les amis. Ok, pile, diamant, titane. Ok, on a tout ce qu'il faut. Pile, diamant, non, c'est pas là. Pile, diamant et titane. Alors, des piles et du diamant et du titane. Pile, voilà. Alors, pile, diamant, titane. Alors, diamant, 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 titane. Ah, diamant, ok. Et du titane. Me dites pas que j'ai pas de titane. Il manque toujours un bout. Hein. C'est quand même dingue. Non, j'ai pas de titane. Ah, j'en ai peut-être dans mon Splash X. Dans le petit coffre, peut-être. Bien que ça m'étonnerait, remarquez. C'est pas le genre de truc qu'on met dans le petit coffre, qu'on garde. Ouais. Est-ce qu'il y a du titane là-dedans? Ouais, j'ai un titane. Eh ben, c'est bon. C'est bon, les amis. On devrait pouvoir se crafter notre cutter laser. Alors, cutter laser. Tac, tac. Cutter laser. Oh, trop, trop fort, les amis. Ça y est, on l'a. Ça y est, ça y est, ça y est, on l'a. C'est où? C'est là. Cutter laser, cutter laser, cutter laser, il est là. On va lui assigner une touche. On va lui mettre... voilà, voilà, c'est celui-là. Tac, tac, voilà. Et puis, ben, allez, on y va. Oh, je vais manger un petit bout avant. On va se prendre... deux, allez, trois poissons. Et puis, on va se prendre un petit peu à boire aussi. On va déjà manger. Allez, on va se faire ça. Et puis, on va partir... tac tac. Et puis on va partir et on va essayer de voir ce qui se passe. Ah oui, il faudrait une lampe torche aussi, j'ai pas de lampe torche. On va regarder comment se faire une lampe aussi peut-être. Voilà. Alors on va manger. Voilà. Alors on va se boire un petit truc. Et le signal du coup que j'ai toujours pas trouvé à quoi ça servait. Enfin j'ai pas vraiment regardé en même temps. Alors, à voir. Tac. Voilà. Et bon, on est pas mal. Allez, on va faire un peu de ménage là-dedans aussi. Allez, on va laisser le sel. Bah non, il faut que je prenne, hein, sinon ça marchera moins bien. Voilà. Tac. Tac. Ah bah voilà, hop, on a réglé le problème de l'eau. Et quand même, je sais pas si vous vous souvenez qu'un par rapport au début de l'aventure, où je mourais systématiquement à cause de l'eau, je suis bien bien content qu'on ait trouvé cette solution. Parce que là, je sais même plus où la mettre, quoi, tellement j'ai de la flotte. Alors... voilà, allez. Donc je voulais regarder comment on se fabriquait une lampe torche. Une lampe torche.
Bah, il va me falloir... Oui, si je me trompe de trucs, ça va pas aller. Alors, une lampe torche. Donc, une pile et du silicone. Alors, pile, c'est bon. Et du silicone, ça se fait avec du quartz, je crois. Hein. Silicone, ça se fait avec deux quartz. Du quartz, on va aller chercher une pile. Bah, j'ai bien fait de faire un max de piles. Hein. Ok. Et du quartz, j'en ai pas sur moi. J'ai pas un silicone qui traîne, non. Non, mais du quartz, je dois en avoir un petit peu. Je crois. Ouais. Tac, allez, on va se faire une lampe. Alors, silicone, silicone. Tac. Et on est paré pour... non, c'est là. Et on se fait une lampe. Et ça y est, on est parti, les amis. On s'en va. On s'en va. On va aller fouiner. On va aller voir ce qui se passe. C'est pas là. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette épave. Allez, go. Oh purée, hop, pardon, aïe 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 aïe, j'ai... Je trouve qu'il se pilote un peu bizarrement mon truc là. Je trouve que ça lag quand même pas mal. Oh bah c'est pas possible, oh là 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 là, je vais complètement exploser mon truc. Bien alors. Ouais. Bon il s'est rechargé un petit peu. J'ai l'impression que ça lag quand même pas mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi, des fois ça lag plus que d'autres. Allez, capitaine à la manœuvre. Allez, on y va, on est parti. Donc, j'ai évidemment, vous allez voir que j'ai pas posé de balise, qu'on va galérer pour retrouver. Logiquement, c'est on allait en direction donc du biome de champignons. Hein. Voilà, attendez, je me repère par rapport à, voilà, à l'Aurora. Donc, on est à peu près en direction de son cul. Ou de devant, je sais pas. Allez, on va par là. Lui, il s'est rechargé un petit peu. On a un peu d'autonomie. Allez, allez, allez. Alors, on va faire comme... comme d'hab, on va suivre le fond, mais doucement quand même. Ah oui, doucement, doucement. Oh purée, non, c'est pas possible, ça. Attendez. Alors, du coup, est-ce que ça nous aurait... Est-ce que ça nous a changé le cap? Faut que je vérifie. Non, ça va. Ah, il va faire nuit en plus. La nuit approche. Bon, décidément, on n'a pas de peau. Ok, là, on est dans le biome. Ah, bah regardez, ça y est, on y est déjà. Oh, trop bien. Bon, en fait, c'est pas très loin. Ok, bon on est arrivé. Alors, attendez, on va s'équiper. On va faire quoi? La torche, je vais la mettre en... La torche, je vais la mettre en 1. Voilà. Le truc laser, là, ça, le cutter laser, je vais le mettre en... Merde, non. La torche en 1, le truc, le cutter laser en 2. En 3, je vais mettre mon couteau. D'accord. Et toi en deux. Voilà, j'ai une lampe torche, j'ai un cutter laser, j'ai un machin, j'ai un bidule. Ok, on devrait pouvoir aller se baigner un petit peu. Ok, alors est-ce que ça sert la lampe torche? Ouais, ok, bon, bah, ça sert pour l'instant pas grand chose. Allez, allez, on y va, on va savoir ce qui se passe. On va peut-être prendre ça pour démarrer. Hein. Comment on faisait pour rentrer déjà? Alors, suspense les amis! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok. Ok, allez, on prend la lampe torche et on y va. J'ai même pas regardé à quoi... Oh putain, c'est quoi ce bruit là? Ah, c'était là. Hein. Ouvrir. Ok, allez, rallume-moi la torche s'il te plaît, oui.
Ok, ah, vous avez vu, ça flotte à l'intérieur. Ah, c'est trop bien. Alors, c'était par où? Ah, c'était là. C'était là, les amis. Donc, c'était quoi? Non, mais je sais pas. J'ai pas pris le bon. Voilà. Ah, mais je vois rien, là. Ah, si. Attendez voir. Par là, ok, c'est bon, je vois. Vas-y. Allez, c'est... Oh yes, ça y est, regardez. Wow, alors attendez là. Trop bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Faut encore couper ça? Non, ça se coupe pas. Ah bah y'a rien. Attendez, si on a loupé quelque chose. Ah, si on peut descendre, je vais déjà aller jeter un oeil par là. Juste pour voir. Là je peux pas avancer plus. Oh, les bruits de la carlingue et tout, c'est absolument incroyable. Ah ouais quand même. Alors, je ressors. Non, je ressors, j'ai dit. Faut juste que je trouve par où. Par là. Je ressors parce que l'oxygène, c'est quand même se barre très vite. Alors on va aller se recharger un petit peu en oxygène et on revient. Ah, pourtant, je suis équipé. Hein. On n'est pas très profond hein, pourtant. Hein. Voilà, j'aurais presque plus vite fait d'aller récupérer ma respiration en surface. Allez, respire mon petit, respire. Il me reste que 6% d'énergie sur celui-ci. Ah bah décidément, on n'a pas de bol. C'est bon. Allez, on y va. On va voir c'est de quel côté. On y verra peut-être un petit peu plus clair. Ok, allez, vas-y mon petit, vas-y, là je vois un petit peu. On va reprendre la torche. Alors, attendez, on est venu par là. Merde. Ah bah il y a un trou ici. Bon. On y va. Sur quoi on va tomber? Ah ben, y a une sortie ici. Bah. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Bah, s'il y a une sortie ici, qu'est-ce qu'on a loupé? Là, on a loupé quelque chose, je pense. Hein. Allez, on y retourne. Là, qu'est-ce qu'on a loupé, les amis? Je capte rien du tout là. Putain, cette ambiance de malade là. Ouais, bah d'accord. Donc finalement, si j'ai une entrée par là, ça servait pas à grand chose. C'est ce que j'ai fait ma découpe là. Et toi, je peux te découper là ici ou pas? Là, je comprends pas trop, les amis, ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que s'il n'y a rien? Je trouve ça quand même étrange qu'il n'y ait rien. Nous signale.
il faut que je remonte, faut que je remonte. Échanger la pile. J'ai pas de pile. Alors là les amis, ça me chagrine. Je pensais vraiment qu'on allait trouver quelque chose là. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Mais on y va, on y va. Ah, on a réussi quand même à avoir le cutter laser, d'accord, mais... est-ce que j'ai de quoi me faire une pile? Je dirais que non. J'ai un module de machin. Il me faut des champignons acides et puis il me faut quoi? Champignons acides et... non. Champignons acides et du cuivre. Du cuivre, j'en ai pas ici, je crois pas. Non, j'en ai là-bas. Attends, je suis pas très loin. Ah mais j'ai des champignons acides. J'ai juste pas de cuivre. Bon, c'est pas très grave. Aïe aïe aïe. Bon, alors déjà on va essayer de positionner le sous-marin un petit peu plus près. Déjà au bon endroit. Pourquoi je peux y aller en splashex? Ouais, on va y aller en splashex. Allez, on va y aller. Hop. Ok, alors donc on a dit. Il est pas si gros que ça ce morceau. Enfin si, si il est balèze mais quand même. Alors on va essayer de se positionner. Okay, on va essayer de se positionner avec les feux. Aïe. Avec les feux. Voilà. Bouge plus, bouge plus. Qu'est-ce que j'avais dans mon coffre? Il y a quelque chose qui peut être utile ou pas? Ah bah j'avais... Non c'est de l'argent, c'est pas du cul. Ok. Bon, allez on y retourne hein. On y retourne, on y retourne, on va pas rester comme ça, c'est pas possible. Alors ici, ok. Là, il n'y a rien. Là ici, il y avait la porte que j'ai ouverte. On a ouvert la porte. On est rentré. Ici, c'était le bordel complet. Tout est cassé de partout. D'accord. Armoire remarqué. Je peux l'ouvrir. Ok, là il y a notre super poster que j'adore. D'accord. Là on a une armoire qui est ouverte avec une photo. Salut. Ok. Là on a une porte qui est complètement inaccessible. On avait cette porte-ci qui était donc qu'il fallait le cutter laser. Et donc on l'a fait. On l'a cutterisé cette porte. En cutérisant cette porte, on a eu accès à deux choses. On a eu accès à donc la cage d'escalier, la cage d'ascenseur ou je sais pas quoi, et une sortie ici où on peut pas trop faire grand chose. Là, ça s'ouvre pas. Alors, on va refaire une sortie par ici, voir si on a loupé un truc ou pas. Hein. Mais apparemment, non. Puis là, je peux pas avancer, on est coincé. Bon, on re-rentre. On retourne donc dans la cage d'escalier où il y a 2-3 petits problèmes électriques qu'un été. Ah merde. D'accord, ok. Tout va bien. En haut, je ne peux pas monter. Je ne peux que descendre. Et descendre. C'est ce qu'on fait. Voilà. Et il n'y a que dalle à part ici. Ah, ici. Et on n'était pas arrivé ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, oh putain, comment on a fait pour arriver là? Ça a mis des... Oh, regardez un fragment. Un fragment. Un fragment. Ramasser filtration, machine fragment. Filtration, c'est quoi ça, filtration? Est-ce que c'est pas la machine à filtration? J'en sais rien. Pur et puis on va manquer d'air. Il n'y a rien. Oh là là, on va crever, on va manquer d'air. Vite, vite, vite. Allez, on ressort. Nage, 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 nage. Mais alors tu nages vraiment pas vite. Hein. C'est une catastrophe comment tu nages pas vite. Ah oui, sans tes palmes, mais sans ton tuba. 30 seconds of oxygen remaining. Oui, oui, oui. J'y vais, j'y vais, j'y vais.
Alors, je sais pas si ce fragment, on l'avait déjà. Filtration, je sais pas ce que c'est, ce truc. Ok, je peux pas regarder mon inventaire. Hein. Attends, je sors, je regarde juste mon inventaire, savoir ce que je sais. Ah oui, non, regardez, filtration. Ah, je sais pas. Non, je pense que ça, c'est la machine à filtrer. Bien. Bon, bah écoutez, les amis, on a trouvé un fragment. Je pense qu'il y a d'autres choses à trouver à l'intérieur. Il faudra qu'on aille y faire un tour. On va continuer, hein, on va y faire un tour encore. Mais ça sera lors de notre prochaine vidéo, les amis. Bon, et bien écoutez, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, les amis. Allez, au revoir.